Si est acté, Beyoncé ne pourra faire qu'un concert à Paris en raison des travaux SNCF. Face à la colère de nombreux fans qui l'accusent, Valérie Pécresse a répliqué sur Instagram pour s'expliquer et se dédouaner de toute responsabilité. Une vidéo lunaire. Si est-il la plus belle surprise de ce début 2023, Beyoncé se lance dans une tournée européenne. Son Renaissance World Tour passera même par la France avec une date à Paris, le 26 mai prochain, et à Marseille, le 11 juin. Et si est-il au Stade de France que la diva a choisi de faire son premier tour de chant tant attendu. Sans surprise, les places pour le show se sont arrachées en quelques minutes, laissant de très nombreux fans très déçus. Alors que les admirateurs de Queen B espéraient l'annonce d'un second spectacle au Stade de France, Live Nation, le producteur de la star américaine, a annoncé une mauvaise nouvelle. Bien qu'une autre date était prévue, celle-ci a été annulée en raison de travaux SNCF. Les travaux menés sur la ligne B du RER imposent d'interrompre les circulations des trains, en journée, en soirée et pendant certains week-ends d'entre janvier et mai 2023, avait également expliqué la SNCF. Valérie Pécresse répond aux attaques des fans de Beyoncé sur les réseaux sociaux, les internautes ont crié leur colère et ont désigné la responsable du sabotage du deuxième concert de Beyoncé au Stade de France. Pour de nombreux fans en colère, pas de doute, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, est la seule à blâmer. Face à la polémique, la femme politique a décidé de répliquer dans un message vidéo posté sur son compte Instagram. Et si est-il au son de l'un des tubes de l'artiste, Crazy in Love, que l'ancienne candidate à la présidentielle a souhaité apaiser les tensions. J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé, extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris. Alors il paraît que si est-il de ma faute. Je vais rectifier les choses et le dire clairement, je n'y suis rigoureusement pour rien. J'ai le dos large mais faut pas charrier, a-t-elle lancé. Valérie Pécresse est ainsi revenue sur les causes de l'annulation du deuxième concert de Beyoncé au Stade de France. La vérité est toute simple, les dates des travaux des transports qui amènent au Stade de France sont connues 2 ans à l'avance, a-t-elle assuré. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent. Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était impossible et intenable, si est-il de sa faute. Il ne faut pas se défausser sur les autres, ça n'est pas très courageux. Je le dis, moi j'adore Beyoncé. Je lui dis bienvenue en Île-de-France mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date. Une mise au point qui n'a pas du tout calmé les internautes. Ces derniers ont reproché à Valérie Pécresse d'avoir pourtant reporté les travaux du RER B, en mai dernier, afin d'éviter des perturbations pour le concert d'Indochine au Stade de France. Un petit privilège dont ne profitera donc pas la femme de Jay-Z.